Ce qui va se passer dans quelques instants, je vais compter de 1 à 9. C'est-à-dire que quand je compterai le chiffre 1, vous fermerez vos yeux. Quand je dirai 2, vous les ouvrirez. Quand je dirai 3, vous les refermerez. Ainsi de suite. Voilà, les 15 secondes sont passées, vous écoutez simplement ma voix, vous êtes concentré sur mes yeux. Dans quelques instants, je vais commencer à compter. Attention, le chiffre 1. Voilà, vous dormez profondément, profondément. Sommeil. Vous dormez profondément, rien ne peut vous éveiller. Vous dormez encore profondément. Vous écoutez ma voix, cette musique. Plus vous écoutez cette musique, plus vous allez continuer à vous endormir. Vous êtes parfaitement bien calme et détendu alors que les autres personnes continuent à m'écouter. Vous allez sentir dans quelques instants tout votre corps qui continue à s'alourdir. Lourd comme du plomb, de plus en plus lourd. Vous avez de plus en plus sommeil. Dormez profondément, votre tête est lourde, lourde comme du plomb, lourde, lourde, et vous dormez profondément, profondément. Vous êtes parfaitement bien calme, détendu. Vous que je touche, vous dormez profondément. Vous que je touche, vous dormez profondément, profondément. Continuez à dormir. Je dormais profondément. Chaque personne que j'ai touchée va dormir encore plus profondément maintenant. Rien, absolument rien. Mais pour vous déranger, vous êtes dans un rêve agréable. Voilà, vous ne savez pas si vous êtes dans quel endroit vous êtes, mais vous êtes bien. Vous que je touche, dormez. Vous que je touche, dormez. Sommeil, de plus en plus sommeil. Lourd comme du plomb. Dormez profondément. Dormez profondément. Je me dirige, je continue à me diriger vers certaines personnes pour continuer à les endormir de plus en plus profondément, alors que les autres personnes ne peuvent pas voir. Vous dormez profondément. Et vous écoutez ma voix. Vous êtes dans un rêve agréable où rien ne peut vous déranger, rien ne peut vous éveiller maintenant. Dormez profondément maintenant. Maintenant vous allez entrer dans un autre rêve. Et dans ce rêve, eh bien. Et vous marchez comme des petits chats et vous miaulez. Miaou. Voyez, vous êtes des petits chats. Voilà. Et quand vous rencontrez d'autres petits chats, si monsieur s'est réveillé, vous pouvez rester là, on va faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, vous êtes sorti tout seul de cet état hypnotique. C'est tout à fait possible. Vous êtes des petits chats et quand vous rencontrez d'autres petits chats, eh bien, vous vous dites bonjour. Voilà. Voilà, et vous miaulez. Et vous miaulez parce que vous avez très faim. Voilà, ce rêve se termine, ce rêve se termine et vous dormez, monsieur. Vous dormez profondément. Profondément. Ce rêve se termine et vous rendormez profondément. Vous êtes calme, bien détendu. Vous dormez profondément, rien ne peut vous gêner, vous continuez à dormir profondément. Vous entrez dans un rêve agréable maintenant. Rien, absolument rien ne peut vous déranger. Je vais vraiment faire des choses individuellement avec vous. Uniquement, vous, mademoiselle, que je prends par le poignet, uniquement vous, mademoiselle, que je prends par le poignet, au chiffre 3, vous allez venir avec moi, 1, 2, 3, tout en restant dans cet état hypnotique. Voilà. Vous que je prends par le poignet, vous venez avec moi dans cet état hypnotique. Vous prenez cet instrument de musique, vous le prenez entre vos mains et vous en jouez. Vous prenez de cet instrument et vous en jouez. Vraiment, vous vous éclatez en jouer. Vraiment, vous vous éclatez, vous jouez de cet instrument. Voilà, complètement. Vous êtes sur scène et vous vous éclatez à jouer de cet instrument. Pendant que je touche la demoiselle, uniquement la demoiselle que je touche au niveau du poignet, au chiffre 3, vous allez venir avec moi. 1, 2, 3. Tout en restant dans cet état hypnotique. Voilà, vous vous levez tout en restant dans cet état hypnotique. Profondément.
rien ne peut vous déranger, absolument rien. Vous êtes vraiment calme et détendu dans cet état. De plus en plus profond, rien ne peut vous déranger. Calme et détendu. Vous que je touche, exclusivement vous que je touche dans quelques instants, je vais compter de 1 à 3, chiffre 3, vous allez oublier votre prénom. Attention, votre prénom va être effacé de votre mémoire. Et de votre mémoire, mais va être remplacé par Bruno. Attention, chiffre 3, cela va se passer. 1, 2, 3 maintenant. Je vais vous réveiller dans quelques instants, votre prénom, ça sera Bruno. Attention, je vous réveille, 1, 2, 3, vous vous réveillez, uniquement vous que je touche. Bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est comment? Bruno. Pardon? Bruno. Bruno? Bruno. Ça fait longtemps que vous appelez comme ça? Bah oui. Oui, mais le pire, c'est qu'elle en est persuadée. Hein? C'est ce qui se passe entre le conscient et l'inconscient. Je vous ai expliqué au chiffre 3. Le chiffre 6 n'existera plus de votre mémoire. Simplement, vous vous souviendrez à nouveau de votre prénom. 1, 2, 3. Le chiffre 6 est complètement effacé. Maintenant, je vais vous réveiller. 1, 2, 3, vous vous réveillez, mademoiselle. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Marine. Hein ? Marine. Elle s'appelle bien Marine ? Oui. Oui, donc vous avez de la chance, elle s'est souvenue de son prénom. Parce qu'une fois comme ça, combien de temps ? 6 mois ? Hein ? Non, je regarde. Est-ce que vous pouvez compter de 1 à 10 ? 1, 2, 3, 4, 5. Non, attendez, de 1 à 10 en fait. C'est... Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et comptez sur vos doigts, hein, pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, il souffle pas, s'il vous plaît. Alors, après le 5, c'est quoi? C'est le 7. Non? Non. Il y a un problème, hein. Une barre de fer. Viens, comme une barre de fer maintenant. Rien ne peut faire plier cette barre de fer. Son corps est raide comme du fer. Rien ni personne ne peut faire plier cette barre de fer. Maintenant, je vais compter à 3, chiffre 3. Rien ne pourra plus jamais faire plier cette barre de fer, uniquement quand cela sera terminé. 1, 2, 3, maintenant, votre corps est une barre de fer. Que rien ne peut faire plier. Absolument. Maintenant, votre corps est raide. Raide comme une barre de fer. Son corps est raide comme une barre de fer, rien ne peut la faire plier. Rien ne peut la faire plier. Gaëtan très fort.